Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles et moi-même nous chargerons Donc, en gros, fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le-moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être dire, non. Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Licor et messieurs! Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Non! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le spectacle commence. Ah, putain de merde! C'est ça. Cours pour ta vie. C'est très bien, Ethan. Attention, ça va saigner.
Rien de tel que la viande à chier américaine. Ah, c'est chaud. Attends, c'est ces barges qui ont rose? Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Ah, vous tombez bien. Oh, oh, voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Ah ah! C'est un investissement, Ethan. Je vois. Autre chose ? Merci pour cet achat. Bonne journée. Mmh.
Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Viens, jetons-y un œil. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre.
Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Comme nous nous retrouvons. Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Vous voulez acheter quelque chose? Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Je vois. Autre chose? Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Je vous souhaite de faire bonne route. Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un œil. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Oh, je ne peux plus me retenir.
Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Le sang est plus sucré quand on le fait jaillir d'une proie encore vivante. Quel supplice préfères-tu ? Tu es au menu de ce soir. Où est-ce que tu vas, petit coquin ? Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile ! Je ne ressens aucune douleur. Je ne te pardonnerai jamais, espèce d'ordure ! Comment oses-tu t'attaquer à nous ? Impossible ! Abandonne ! Je te fais visiter. Ah !
Oui. Putain! Ah!
Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh, diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Où es-tu? Oh merde! Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous... Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit! Parce que je vais te traquer! Et je vais te détruire! C'est ça, et c'est toujours. J'allais te laisser filer. Tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. Ne te mènera nulle part!
C'est bon, je me casse d'ici. Enfin. Tu te décides enfin à venir me voir. Un rêve. Oh, c'est pas vrai.
Je ne peux pas mourir. Ras-le-bol des insectes. Cassandra ! Viens ici, tout de suite ! Assez joué ! Je veux la tête de cet homme ! Allez, va ! D'accord, mère. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé ? Aucun signe de Rose. Oh. Vous m'en voyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services.